Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un bracelet rectangle. À deux couleurs, j'ai choisi des élastiques fluo orange et blanc et des élastiques noirs. C'est parti! Donc pour réaliser ce bracelet, il va vous falloir 24 élastiques. Donc moi j'ai choisi des élastiques blanc et orange fluo. Donc 24 comme ça. Et 28 élastiques noirs, Rainbow Loom. Et une petite attache. Alors, donc, vous prenez votre tablette dans ce sens, donc bien avec le plot du milieu qui est en décalage, plus bas que celui de gauche et celui de droite. Donc nous allons d'abord positionner un premier élastique noir entre ce premier plot du milieu et le premier plot de gauche, comme ceci. Un second élastique noir entre le premier plot du milieu et le premier plot de droite. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vous montre maintenant le schéma qui va se reproduire tout le long de la tablette. Donc, vous prenez vos élastiques donc fluorescents et vous allez donc en positionner deux entre le premier plot de gauche et le premier plot de droite, comme ceci. Et vous en mettez un deuxième par-dessus, comme ceci. Ensuite, vous allez remettre un élastique noir entre le premier plot de gauche et le deuxième. Et même chose sur l'axe du côté droit. Et nous recommençons. Deux élastiques fluo entre les deuxièmes plots de gauche et de droite. Descendez bien vos élastiques pour avoir la place d'en positionner deux. Et on remet un élastique noir entre le deuxième et le troisième plot de gauche et entre le deuxième et le troisième plot de droite. Et nous continuons. Deux élastiques fluo. Voilà. Et vous avancez comme ceci sur toute votre tablette.
Alors, derniers élastiques noirs qui nous amènent à l'avant-dernier clou de gauche, l'avant-dernier clou de droite. Donc, on positionne sur ces avant-derniers clous nos élastiques fluorescents. Ce sont les derniers. Alors, les deux derniers clous de gauche et de droite ne sont pas utilisés. Et vous allez positionner donc deux élastiques noirs, un premier entre l'avant-dernier clos de gauche et le dernier clos du milieu, et un second entre l'avant-dernier clos de droite et le dernier clos du milieu. Voilà. Et sur ce dernier clos du milieu, vous venez positionner un élastique noir en 8. Voilà. Nous avons fini de positionner nos élastiques. Vous pouvez tourner votre tablette pour le tressage. Donc, pour réaliser le tressage, première étape, vous vous positionnez donc sur ce premier plot tout en bas là, du milieu. Vous allez ramener cet élastique vers le second plot de gauche. Donc, maintenez avec votre doigt l'élastique positionné en 8. Parce que des fois il a tendance à s'en aller, voilà, sur le second plot de gauche, et vous faites la même chose vers le second plot de droite. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le schéma de tressage de ce bracelet. Donc on se positionne sur le second plot de droite, on attrape donc l'élastique fluorescent du bas, celui-là, et on le ramène sur le second plot de gauche, comme ceci. Voilà, donc voilà ce que ça vous donne. Donc ici vous avez l'élastique que vous venez de ramener, au milieu vous avez votre élastique qui est encore tendu entre les deux plots. Donc c'est celui-là maintenant que nous allons aller chercher et que nous allons amener sur le second plot de droite. Donc repérez-le bien. Hop. Et nous partons vers notre plot de droite, comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, nous allons tresser nos élastiques noirs de chaque côté. Donc d'abord à gauche, en partant du second plot de gauche. Donc vous attrapez votre élastique noir et vous l'amenez vers votre troisième plot. Vous faites la même chose à droite, comme ceci. Et nous renouvelons l'opération avec nos élastiques fluorescents en partant toujours du côté droit. Donc, on attrape l'élastique qui est en bas et on le ramène à gauche. Même chose en partant d'ici, on attrape l'élastique qui est encore tendu entre les deux plots et on l'amène à droite. Et on tresse nos élastiques noirs en partant de la gauche, puis à droite. Voilà, et on recommence avec nos élastiques fluo. On attrape bien celui du bas. Et on l'amène à gauche, on attrape l'autre et on l'amène à droite. Nos élastiques noirs. L'autre côté. Et voilà. Et on recommence. Donc c'est vrai qu'en utilisant des élastiques de couleurs différentes, moi j'ai pris à chaque fois la même couleur fluo, on peut prendre deux couleurs différentes, vous les repérerez mieux comme ça. Les élastiques noirs. Bien celui du bas.
Nous arrivons presque au bout de notre tressage. Deux derniers fluos vers la gauche et vers la droite, et enfin les élastiques noirs. Donc vous ramenez celui-ci sur le plot du milieu, alors, un petit peu coincé, voilà, et même chose pour celui-ci, on les ramène sur le plot du milieu. Voilà, vous avez terminé votre tressage. Donc pour réaliser la chaînette, nous allons donc positionner un élastique en attache sur notre dernier plot du milieu, tout en haut. Donc moi je vais positionner un élastique noir. Donc vous passez votre crochet, hop, et vous remontez votre élastique noir. Voilà, comme ceci. Vous le laissez positionner sur le crochet, le temps de défaire votre bracelet et de réaliser la chaînette. Donc, on défait le bracelet. Voilà. Et voilà votre bracelet rectangle. Donc réalisons la chaînette. Donc, vous reprenez votre tablette dans ce sens. Nous allons positionner 5 élastiques noirs du premier au second plot de droite, du second au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième. Vous positionnez votre bracelet à la suite par ces deux petits élastiques que vous mettez sur le sixième et le septième, comme ceci. Vous tournez votre tablette, vous vous positionnez sur le sixième plot, vous attrapez l'élastique qui est au milieu et vous le ramenez sur le cinquième, du cinquième vers le quatrième, quatrième vers le troisième, du troisième vers le second et du second vers le premier. Ce premier élastique, vous le tendez bien entre deux plots pour pouvoir passer aisément votre petite attache, comme ceci, et ensuite défaire votre chaînette. Donc voilà votre chaînette réalisée avec votre bracelet. Donc à porter dans les deux sens. Hein. Donc on défait notre crochet. Voilà, on tendait bien vos élastiques. Et vous allez venir fixer votre attache. Voilà, et vous avez réalisé votre bracelet rectangle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt !